Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Alors, vous êtes certainement sans doute au courant de cette histoire qui traîne un peu sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, on voit Happy Defulane accompagné de Aldo le diplomate et coqueuse de diamants. Et beaucoup de personnes s'interrogent. On veut justement savoir si coqueuse de diamants, puisque ce n'est pas officiel, si coqueuse de diamants est la nouvelle productrice de Happy Defulane et Aldo le diplomate le nouveau manager. Voilà, en fait, je sais que beaucoup de personnes aiment qu'on parle toujours du négatif de ces deux-là, Aldo et Croqueuse de Diamant. Ce n'est pas l'objectif de ma vidéo aujourd'hui, rassurez-vous. Ma vidéo aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour apporter mon soutien à Happy. Alors, ce qui est important, c'est que Happy a fait un post. Rappelons que Happy a une nouvelle page. Oui. Pourquoi donc Happy a une nouvelle page? Et certainement, la nouvelle page est dirigée par le manager de Croqueuse de Diamant, Aldo le diplomate. Donc, comme vous pouvez constater là, Happy a perdu sa première page de 651 000 abonnés. Je parle bien de 651 000 abonnés. Mais quand je dis perdre, c'est pas dire que Facebook a supprimé sa page ou bien qu'on a signalé ou quoi que ce soit. Non. Il a fait un post qu'on pouvait voir, la nouvelle page, comme je vous expliquais là. Ça fait 4 jours qu'on a créé sa nouvelle page Facebook. Et vous voyez en photo, ils ont même partagé plusieurs photos, plusieurs photos et quelques vidéos. Sur la photo de couverture, vous pouvez apercevoir Croqueuse de Diamants et Aldo le diplomate que tout le monde connaît déjà, bien sûr. Et maintenant, ce qui est intéressant ou bien ce qui m'a un peu motivé ou ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est ce post-ci, ce premier post où Happy Defulane dit ceci, je lis. Bonjour mes chers soldats, voici la nouvelle page, ma nouvelle page officielle. Tout se passera désormais ici, car j'ai laissé l'ancienne page au grand frère Serge Godot, qui est l'ancien producteur, bien entendu, car il m'a demandé 5 millions pour récupérer. Et je l'ai laissé, car un proverbe de mon village dit qu'il faut se reculer pour mieux sauter. Merci infiniment, Croqueuse de Diamant. Aldo, le diplomate. Voilà. Bon. Voilà ce qui est sur la page. Et comme vous pouvez voir, sur la page de couverture, ils sont deux. Ils sont deux. La photo de profil, pas de couverture. Ils sont deux. Dont le manager et Happy. Aldo et Happy. C'est ça qui m'inquiète un peu. Et cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est pour donner mon soutien à Happy. Et je profite donc dans cette vidéo pour dire à tous mes abonnés de vous abonner, puisque actuellement, il est à 2,5 000 abonnés. Oui, comme tu as dit, Happy, la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Donc, quand on tombe, il faut apprendre à se relever, nettoyer la poussière et avancer. Moi-même, j'ai perdu ma première page. Je n'ai pas baissé les bras. Je me suis battu et c'est sur cette nouvelle page que vous me suivez donc actuellement Franco TV. Ma page principale était Franco le Mignon. Bien que ça, après 11 mois, on a débloqué. Mais jusqu'à là, ça ne prend pas vraiment comme avant. Alors, ce qui nous inquiète ici, c'est qu'on demande 5 millions à Happy. Bon, on ne veut pas savoir les raisons puisque c'était le producteur. Ce qui est sûr, il a ses raisons. Et ce qui est sûr, avec le temps, on saura. Même si on ne sait pas. Ce qui est important maintenant, c'est cette nouvelle page que Happy a. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui me suivent, ou bien tous ceux, parce que ce n'est pas une obligation, parce que forcément, ce n'est pas tous ceux qui me suivent qui sont aussi fans de Happy. Je voudrais donc passer par ma page pour dire donc à tous ceux qui étaient fans de Happy également, présenter la nouvelle page de Happy et demander à toutes ces personnes de s'abonner sur la page de Happy. Les gens vont se poser la question que mais comment je peux venir présenter la nouvelle page de Happy? C'est tout à fait normal. Et je pense que beaucoup d'influenceurs devraient vraiment soutenir Happy. Happy est actuellement encadré par une milliardaire. On nous parle d'une milliardaire. Donc, on ne peut plus donner l'argent. Quand tu es dans les mains d'une milliardaire, il n'y a plus une somme au-dessus du milliard. Donc, le milliard, c'est la plus grosse somme qui existe, donc il est bien entouré, supposons, puisque avec le temps, j'espère que ça sera vraiment le cas,
Bref, je souhaite que ce soit vraiment pour le meilleur. Donc, il est entouré d'une milliardaire et la seule chose que moi, particulièrement, en signe de reconnaissance, quand je dis signe de reconnaissance, pourquoi? Déjà, avant de vous donner la reconnaissance, je voudrais dire, je vous invite à vous abonner sur la nouvelle page de Happy. Voilà, donc la reconnaissance, c'est donc dû au fait que j'ai utilisé les images de Happy plusieurs fois. Et je pense que chaque influenceur qui a vraiment utilisé l'image de Happy pour se faire des vues, quand on parle des vues, on parle également du pognon. Donc pour se faire du pognon, ça devait être vraiment le cas. On devrait vraiment soutenir Happy. Oui, si vous aimez vraiment Happy, présentez la nouvelle page de Happy à vos abonnés afin qu'ils retrouvent Happy. Ça, c'était l'objectif de ma vidéo. Donc, ne venez pas chaque jour dire, ouais, franchement, je regarde depuis, j'ai parcouru beaucoup de pages depuis que Happy a sa nouvelle page, il a fait ce post-là. Les gens qui sont même chaque depuis, qui sont dans les problèmes, que oh, il faut faire ceci pour Happy, il faut. Personne ne communique sur sa nouvelle page et personne ne dit, ne parle même du problème qu'il a même avec son ancien producteur qui parle de 5 millions, que le gars lui réclame. Quelqu'un qui est malade, qui est même démis, qui n'a même plus où habiter, comme on entendait souvent, qu'on a compris dans les anciennes vidéos là, tu lui demandes 5 millions. Peut-être où c'était à son nouveau producteur, je ne sais rien. Ce que je peux te souhaiter, Happy, c'est un bon vent. J'espère que tu vas retrouver ta santé parce que c'est nécessaire vraiment, c'est ça qui est vraiment capital. Et Aldo, ainsi que Crocos et Diamant, la priorité, ce n'est pas la carrière de Happy, c'est d'abord sa santé. Parce que même s'il recommence avec sa carrière et que mentalement il n'est pas stable, ça ne vaut pas la peine. Donc, je préfère, et je vous conseille, bon, bref, vous connaissez mieux que moi. Soignez d'abord Happy et le reste, on va vous soutenir. Beaucoup de courage. J'invite aussi mes collègues qui ont surtout utilisé les images de Happy pour se faire des buzz. Parlez aussi de la nouvelle page de Happy afin que les vrais fans de Happy retrouvent sa nouvelle page ou bien le retrouvent. C'était le général Franco. À la prochaine. Une nouvelle information. Je vous ai dit partager la vidéo. La page est restreinte. Je vous ai dit ça depuis. Partager la vidéo au maximum. Et si quelqu'un est nouveau, si quelqu'un vient de me découvrir, abonne-toi, mon frère. Je voudrais vous présenter ceci. Si tu es businessman, promoteur d'entreprise ou homme d'affaires, ceci va t'aider. Voici une superficie de 1400 mètres carrés de terrain avec titre foncé à l'appui, situé sur la route de Gousso, soit au niveau de Kolfolo, net à côté du Gémi, une superficie de 1400 mètres carrés. Comme vous pouvez voir, les boutiques même à côté là appartiennent à ce terrain. Donc, c'est un terrain à louer pour tout homme d'affaires. Vous pouvez utiliser ça pour vos stations de service ou autre business. Donc, c'est à louer. Bien vouloir contacter le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir des modalités ou bien pour avoir plus d'informations. Ce terrain est à louer. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.